Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à vous tous à ce webinaire, ce tout premier webinaire de l'année 2023. Alors, je suis très, très content d'être avec vous aujourd'hui parce que, une fois de plus, nous continuons toujours de parler de notre magnifique projet. 2023 est arrivé et je vous le souhaite à tous, bien évidemment. Une bonne et heureuse année et beaucoup, beaucoup de gains dans ce projet, beaucoup d'actions parce que c'est part que nous avons dans ce projet qui nous permet de devenir copropriétaire de cette magnifique technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Alors, bienvenue une fois de plus à ce webinaire. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous parlerons tout d'abord des dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous verrons donc les problèmes et les risques et sécurité des systèmes de transport actuels. Nous aborderons les possibilités, les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer donc à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Alors, nous verrons qu'est-ce que Skyworld Community nous offre et quels avantages et perspectives nous tirerons de notre participation, d'accord, à ce magnifique projet. Alors, tout d'abord, nous commençons par l'offre promotionnelle Share New Year, qui continue dans les back-office. Alors, dépêchez-vous de profiter de la promotion Share New Year jusqu'au 13 janvier. Alors, tous ceux qui ont accès à cette offre savent que celui-ci, OK, cette offre donne la possibilité d'avoir le maximum d'actions dans ce projet. Vous avez encore 2 semaines pour profiter de l'un des escomptes les plus élevés de 1 sur 80. Veuillez noter ceci. L'accès à la reparticipation à la promotion chez Nuyer est terminé le 29 décembre dernier et les partenaires qui ont reçu okay, un pack et donné, qui ont pris un pack et donné 3 coupons à des amis en première ligne avant cette date peuvent maintenant profiter de la promotion à nouveau jusqu'au 13 janvier. L'offre s'applique également aux partenaires auxquels l'accès a été donné si vous avez inscrit le pack avant le 29 décembre, vous pourrez le faire à nouveau. Pour les partenaires qui n'ont pas eu le temps de le faire avant le 29 décembre, alors l'offre restera la même. Il sera possible d'inscrire un pack et une seule fois. Nous vous rappelons que la promotion Share New Year durera jusqu'au 13 janvier donc 2023. Avec cette promotion donc, vous avez la possibilité okay, d'acquérir des parts d'action à l'escompte 1 sur 80 dans les conditions suivantes. Nous avons l'offre Tankyo 20 000 qui coûte 250 $, qui vous donne 20 000 parts. Vous pouvez payer en cash ou en mensualité sur 5 mois. L'offre Tankyo 40 000 qui coûte 500 $, okay, qui vous donne donc 40 000 parts et vous avez la possibilité de le payer sur en cash ou bien à tempérament sur 5 mois. L'offre étant que 80 000 $, vous pouvez payer en cash ou à tempérament sur 5 mois. Alors, il est très important de savoir que vous ne pouvez pas appliquer les coupons x2, x1,5, x1,2, etc. à cette promotion. Alors, venons donc sur cette
Nouvelle très intéressante, la certification réussie du support intermédiaire de la quatrième piste d'essai. Un mois après la signature d'un accord d'inspection avec TÜV SW Standardization Certification pour la certification de la quatrième piste d'essai U-Sky Transport, annonce donc l'achèvement des travaux de certification de la première phase. Son objet était le support intermédiaire. Ce sont des structures conçues pour fournir la position nécessaire de la structure de trajet U-Sky sur le site, en dehors des supports d'ancrage, et pour transférer des forces horizontales, verticales et transversales au sol. TÜV SW Standardization Certification a effectué une série de travaux d'évaluation de la structure métallique conformément aux normes internationales AWS et BS. Les résultats de l'étude étaient basés sur des données provenant de travaux dans plusieurs catégories. Le contrôle visuel et dimensionnel des supports intermédiaires, le contrôle non destructif, tel que le contrôle des particules magnétiques, le contrôle du serrage des boulons. Il est important de souligner que la certification des supports intermédiaires n'est que la première étape de la certification de l'ensemble du complexe de transport et d'infrastructure U-Sky, qui devrait inclure la vérification et la certification de l'ensemble de la quatrième piste d'essai par un tiers. La station d'ancrage 4.1, la station de marchandises et de passagers, station d'ancrage 4.2, terminal de marchandises et de passagers, structure de trajet semi-rigide, véhicule électrique et bus. L'achèvement de cette série de travaux permettra d'obtenir un certificat de conformité de sécurité qui facilitera l'obtention d'une autorisation officielle des autorités de chargeable pour l'exploitation expérimentale. Alors, un ensemble similaire de travaux a été réalisé en 2021 sur la première piste d'essai, après quoi un certificat de conformité a été délivré et la première piste d'essai de 400 mètres de long a reçu l'autorisation officielle des autorités de chargeable pour une exploitation expérimentale et de démonstration à but non lucratif. U-Sky Transport a passé la certification de qualité ISO 9001-2015 et a également obtenu leur certificat de conformité ISO 14001-2015 et ISO 45001-2018. Ces mises en œuvre du Sky Transport sont considérées comme stratégiques car elles contribuent réellement à améliorer l'efficacité globale de l'entreprise et à jeter les bases solides pour les initiatives de développement durable. Alors, Uniski Steam Technologique ici a obtenu un nouveau certificat. UST Inc. a de nouveau confirmé la conformité avec les exigences de qualification et a reçu un certificat de la deuxième catégorie. Ce document a été délivré pour le droit d'exercer les fonctions de concepteur général par le ministère de l'Architecture et de la Construction de Biélorussie. Avoir des certifications de conformité souligne la capacité d'Uniski Technologies de fournir des services qui répondent aux exigences des consommateurs et de la législation. Aujourd'hui, les compétences d'UST sont attestées par les certificats de conformité donnant le droit d'exercer leurs fonctions de concepteur général, le droit de développer des sections et de la documentation de projet pour des objets de construction de la première à la quatrième classe de complexité, ainsi que le droit de fournir des services d'ingénierie pour la gestion intégrée des activités de construction et la supervision technique sur les objets de construction de la deuxième et la quatrième classe de complexité. L'obtention d'un certificat de qualité supérieure confirme non seulement la compétence de Uniski Technologies, mais aussi l'obtention, l'intention de l'entreprise d'améliorer constamment ses opérations. Je suis très content de toutes ces différentes informations que nous avons. Et il faudrait savoir que ici, nous sommes en train de parler d'une solution innovante au problème du transport moderne de marchandises à grande vitesse et un projet international qui se développe aux Émirats arabes unis et en Biélorussie. Alors, qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit d'un transport
qui se déplace au-dessus du sol, au-dessus des rails, accorde la haute résistance qui permet d'éviter les embouteillages. Pas de pollution. Il peut être conçu sur toutes les zones climatiques de la planète. Regardez, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi donc qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche. En voilà une escapade ajourée avec un wagon suspendu. Alors, dans l'illustration suivante, cette situation que nous avons, nous la vivons, quel que soit le pays dans lequel nous vivons, dans ce monde, nous avons tous affaire à des problèmes d'embouteillage. C'est énorme. C'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Les navires sont obligés d'attendre donc chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne. Le trafic dense des routes de transport ainsi que la mort des personnes causées par le manque de sécurité, bien évidemment. En construisant des routes, on envahit la nature. Elle vit sa vie tant qu'elle peut et essaie de résister à l'homme. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Regardez vous-même. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Non. Le prochain problème majeur de notre époque est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne à l'électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Pas du tout. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous connectons à des centrales électriques et elles fonctionnent à partir de combustibles fossiles qui, eux, polluent donc également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi donc, le quatrième problème majeur de notre époque, c'est de réduire la consommation d'énergie. Alors, dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les rivières, les ravins, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route en l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol, mais c'est la seule différence. Okay? Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais, au grand jamais, été classées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, personne n'a jusqu'à présent, combiner ces deux technologies, le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Donc, si vous remplacez les enfants qui traversent la rivière par leur simple roue, okay, pour ces enfants, si vous remplacez leur simple roue, rouleau par les roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas confondre ce système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Non, ces derniers n'ont pas leur moteur, ils sont simplement tirés sur le câble, les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors, le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, qu'est-ce que U-Sky? Avant de continuer, il faut savoir qu'il s'agit ici d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. D'accord? D'accord, ici c'est une image d'écomaison, ok? Et il y en a deux, une en Biélorussie et une autre aux Émirats Arabes Unis, dans l'Émirat de Sharjah. Donc, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Ceci est une assertion du docteur Anatoly Initsky, concepteur général de l'Unitsky String Technologies. Ok. Donc, fixons-nous le problème ici qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la Terre.
Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut donc voir tout cela sur cette image clairement. D'accord? La prochaine étape ici est constituée par la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Alors seulement à ce moment, on peut poser les rails et laisser rouler donc le matériel roulant. Afin d'éviter des travaux de terrassement lourds ou la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Alors, rappelons la méthode utilisée ici par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Okay? Au lieu d'un pont lourd et coûteux comme celui-ci, okay, supposons donc qu'on le remplace par un câble. Ça devient plus léger, n'est-ce pas? Les supports lourds ne seront plus nécessaires, on les remplace par des supports légers par conséquent. Et on va tirer le câble et fixer donc ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Ensuite, enlevons les supports qui n'étaient pas nécessaires, les supports intermédiaires, comme vous pouvez le voir. Et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. Regardez ici, ok, on a à quoi ressemble cette structure de rail en section. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. Ok, les principaux éléments technologiques qui sont la base de la technologie UST. Un rail à cordes innovant. Nous avons la tête du rail, nous avons les cordes, nous avons un agent de remplissage là, qui est un béton flexible, et nous avons le corps du rail. D'accord? Et suivant donc cette structure, il est possible de créer trois types de structures de trajet. Chacune d'elles a ses propres tâches et avantages. Une structure de rail semi-rigide, okay, qui peut supporter des véhicules, okay, pour des véhicules ayant une vitesse entre 50 et 250 km par heure, structure de rail rigide de 100 à 500 km par heure, et la structure de rail flexible, la vitesse autorisée entre 30 et 150 km par heure. Alors, ici aussi, nous avons une vue de la conception du châssis. Il y avait les batteries, l'accumulateur, radiateur, convertisseur de tension, roue moteur, etc. Et aussi, il faut savoir que dans la conception, il y a un système anti-déraillement spécial. OK. Ici, nous avons donc sur cette image les dimensions réelles. Vous pouvez voir les dimensions réelles du rail semi-rigide et du rail flexible. Cette photo que vous voyez ici montre les haubans supportant le vrai pont. C'est un photomontage. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant dans ce cas, donc, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. Et la largeur de la rivière à cet endroit, près de 600 km, 600 mètres, autant pour moi, peut être facilement bloquée par une seule travée. D'accord? La distance entre deux supports d'ancrage, c'est ça qui est appelé travée. D'accord? Ceci que vous voyez, ce n'est pas du tout un photomontage, mais une vraie photo prise lors de l'Expo 2020 à Dubaï, au Centre de Recherche et d'Innovation Technologique UST Inc. à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure. Non, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur le rail en acier. La tâche donc la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Ici, donc, nous avons une vraie photo de moi-même prise à Sharjah, au Centre de Recherche et d'Innovation Technologique de Sharjah, devant ce magnifique Unicar tropical. D'accord? Ceci, c'était en octobre dernier. Alors, il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. Regardez. On peut subdiviser la grande composition à wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Maintenant, avant de continuer, revenons à nos photos familières, ou plutôt aux roues moteurs.
Ici, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité, la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Alors, sur le support de transport de second niveau, les fuites d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature. Cette image montre les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Maintenant, rappelons les différents problèmes, liés au transport moderne. La surcharge des voies de transport causant les embouteillages, le manque de sécurité causant les accidents, la mort, la pollution de l'environnement, nous l'avons vu, la forte consommation d'énergie due à l'aérodynamisme des véhicules utilisés. Alors, dans ce diagramme, vous pouvez donc voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes, les transports, le transport à cordes que Yusra offre est peu en vert. On se rend donc compte que le transport à cordes est la solution la plus optimale. Alors, le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport en termes de coût de délivrance et temps de délivrance. Alors, voici une comparaison des types de déplacements les plus, du type de déplacement terrestre les plus modernes. À la fois opérationnel et même projeté. OK. Nous pouvons dire donc que le transport Yusra dont nous voulons lui parler est un transport de deuxième niveau, tout d'abord léger, rapide, économique et même écologique. OK. Tout le monde peut participer au projet, d'accord? Tout le monde a la possibilité encore maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, de devenir copropriétaire de cette technologie. Et la chose à faire, c'est de contacter la personne qui vous a parlé de ce projet. Et cette personne vous aidera à vous inscrire. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars et un plan de versement pratique MSUP, divisé le paiement du package d'investissement sur 5 mois. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs dans plus de 200 pays dans le monde. Et en participant à ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnerez? Tout d'abord, des dividendes. La mise en œuvre réussie du projet vous permettra à l'entreprise de faire des bénéfices. Et de ces bénéfices, donc, l'entreprise retirera 20% et distribuera à tous les différents actionnaires sous forme de dividendes. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions en octobre 2018. Elle l'a fait pour les 5 000 premiers investisseurs qui ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un profit allant à 10 fois. L'héritage. Les actions sont votre propriété. Vous pouvez les transmettre à vos enfants et petits-enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale. En cas de décision donc de la société de participer à l'échange, vous pouvez avoir la possibilité de vendre vos actions. L'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Edvardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. OK, il a développé une technologie optimale, efficace et sûre. D'accord? Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site très facilement, unitsky.engineer, comme vous pouvez voir écrit à l'écran. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. D'accord? Aujourd'hui, dans le transport, il y a plusieurs modèles de véhicules pour le transport des passagers et aussi le transport des marchandises. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux, de détruire la couche fertile du sol, non? Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Avec les méthodes modernes de livraison de structures, fournies également par la technologie, avec cela, il sera très facile
de pouvoir construire sur toutes les zones climatiques et quelle que soit la géographie de l'espace. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à plusieurs grandes expositions internationales. Il a toujours attiré énormément d'attention, comme à Berlin en 2018. Aussi à Berlin en 2022, nous étions encore là. La délégation des autorités des routes et des transports de Dubaï a présenté le plan de développement des transports en commun et le modèle Unibike au Salon international InnoTrans 2022 à Dubaï. Voici d'autres grands salons d'exposition où nous étions présents, en Singapour en 2018, en Biélorussie en 2017, en Australie, au Osrail Plus, okay, en Russie, transport de la Russie en Allemagne, comme on l'a dit, en Russie en 2018 à Inva Expo, la société pour tous. Donc, nous étions présents à tous ces différentes expositions. Alors, avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport a passé les tests peuvent être trouvés sur le site facilement, uniski.ingénieur, et aussi le certificat que vous voyez tout précédemment, et le voici. OK, c'est ce certificat est un certificat de conformité qui a été délivré à Yuska Transport. OK, la technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. D'accord? Et plusieurs certificats et récompenses. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. Uniski Technologies est aujourd'hui inscrite au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. Dans sa production, il y a 11 machines complexes conçues et fabriquées. Des marchandises et des passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse suspendues et montées d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. L'agent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk. Regardez comme il est beau. Chaque année, à l'heure de l'éco-fest, des milliers d'investisseurs s'y rassemblent pour voir de leurs propres yeux ce qui s'y passe et la réalité des choses. C'est chaque fois quelque chose de nouveau y est montré. Ensemble, en 2018, en septembre, on a commencé la construction du deuxième centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis, dans l'Émirat de Sharjah. Le centre d'innovation est un groupe de recherche et d'innovation qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ont été prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah et aux Émirats Arabes Unis. Le transport que vous voyez sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera naturellement dans le paysage. Alors, nous pouvons dire en guise de résumé que le transport à côte est un transport innovant, rapide, sûr, économique, facile à intégrer, respectueux, surtout respectueux de l'environnement. Alors, je vous dis merci, merci pour votre aimable attention et je vous laisse une fois de plus avec cette vidéo. Qui démontre encore la grandeur et l'efficacité de l'UniFlash. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du projet. Merci.